that, never gotta sweat that. You could bet that, never gotta sweat that. You could bet that, never gotta sweat that. Hello, c'est Yomi, je viens de me réveiller. Aujourd'hui, on enregistre une vidéo dans ma vie d'entrepreneur. Vous allez me suivre dans ma vie privée, vous allez voir toutes mes habitudes, mes routines et comment je m'organise pour gérer tous mes business. C'est sans filtre, on va absolument tout filmer. Allez, c'est parti. Donc là, c'est 8h, je viens de me réveiller et première chose que je vais faire, c'est tout simplement m'habiller en habit de sport. Je vais courir tous les matins pendant juste 5 minutes, histoire de me réveiller, faire fonctionner la machine et puis sécréter un petit peu de dopamine, d'endorphine, toutes ces hormones qui permettent de se sentir bien et de commencer la journée de la bonne manière. C'est une habitude que j'ai commencé à mettre en place cette année et franchement, elle est incroyable. Je vous la recommande à 100%, même si c'est extrêmement difficile de se motiver le matin. Le seul truc que je fais, c'est boire quelques gorgées d'eau. Je mange pas, comme ça vraiment je brûle du gras, j'ai pas encore d'énergie dans le corps, donc c'est d'autant plus difficile de courir le matin, mais je m'hydrate quand même avant de partir. Allez, c'est parti. La tour est incroyable, il y a une salle à l'intérieur, il y a une piscine à l'intérieur d'ailleurs, un jour sur deux. Et moi, à la place d'aller courir, je vais nager le matin. Et puis on est juste à côté d'un énorme centre commercial, donc vraiment j'ai tout ce qu'il faut à portée de main. Et là, tous les matins, je vais faire exactement le même tour. Je vais me chronométrer, ça me prend environ 5 minutes et j'essaie de battre mon temps tous les matins. Le chrono est lancé, allez, let's go. minutes 55 pour faire le même tour en étant filmé. Et normalement 5 minutes, un peu moins de 5 minutes, je suis à 4 minutes 45, c'est mon record pour l'instant. Ensuite je m'accorde 20 secondes et on repart, on marche, tranquille, on rentre à la maison. Une fois rentré, le premier truc que je fais, c'est que je fonce dans ma chambre et je vais tout simplement prendre une douche froide. Ce qui est bien avec la course, c'est que ça fait monter la température corporelle et du coup la douche froide elle est moins difficile parce qu'on a envie de se rafraîchir, donc on fonce sous la douche. Je sais, vous êtes déçus, mais je vais bien me doucher en maillot de bain. Je garde ça privé jusqu'au million d'abonnés en tout cas. Donc là, c'est l'étape douche froide. Malheureusement, on est à Dubaï, donc il y a très peu d'eau froide. Et du coup, je commence la douche froide direct et j'ai environ 30 secondes d'eau froide pour bien kiffer. J'ai d'ailleurs inventé un nouveau concept. Quand je suis sous l'eau froide, je fais en même temps un exercice de gratitude. Donc je vais à haute voix me dire des choses positives et pour lesquelles je suis reconnaissant. Donc j'ai l'air un petit peu, voire complètement fou, mais ça me met de bonne humeur pour commencer la journée. Et là, l'eau, en vrai, elle est faite déjà. C'est un des désavantages de Dubaï, pas assez d'eau froide. Et voilà, on est douché en moins de 5 minutes. Quand l'eau est froide, on se rend compte qu'on a vraiment pas besoin d'une demi-heure pour prendre sa douche. Une fois que j'ai terminé ma douche, on continue avec la routine du matin et je vais dans un premier temps prendre tous mes compléments alimentaires. Donc, il y en a une tonne. Bon, désolé pour le bruit, les voisins font des travaux. Je vous fais un petit récap rapidement des différents suppléments pour ceux que ça intéresse. Donc là on a un booster de NAD+, ça c'est pour l'énergie de récupération, du 5-HTP, ça c'est pour les neurotransmetteurs, pour l'humeur, du zinc, l'oméga 3, c'est bon pour tout, vitamine D, les personnes qui ont une peau noire notamment, on est souvent en déficience, donc c'est super important, vitamine B12, c'est bon de manière générale, des iodes, ça je sais plus trop pourquoi, tryptosol aussi, ça favorise la production de neurotransmetteurs, ouais en fait j'en ai aucune idée là. Coupons ces trucs. Donc en tout j'en ai une vingtaine, ça a été prescrit directement par mon médecin. Et le but c'est de booster la santé, éviter le vieillissement et puis réguler aussi les hormones pour l'humeur. Donc c'est vraiment quelque chose d'ultra positif, ça m'aide énormément, c'est super cher. Mais si vous pouvez vous le permettre, prendre des compléments alimentaires, c'est vraiment quelque chose que je recommande à 100%. Petite astuce d'ailleurs pour réussir à avaler plus de 10 capsules en même temps, c'est de boire deux gorgées. En fait, vous avez les capsules dans la bouche et vous buvez deux gorgées à la suite et ça passe tout seul. Ah.
Pour les habits, on est presque à 100% sur du Zara. J'avais beaucoup d'habits de marque à l'époque, mais j'ai décidé de tout revendre. Parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte qu'au final, les personnes qui portent des gros logos partout, c'est des personnes qui ont au final juste envie d'avoir l'air riche, qui ont envie de se montrer. Alors qu'en réalité, la plupart des gens qui pèsent vraiment, les vrais entrepreneurs, eh ben, ils se baladent pas avec un énorme logo sur le t-shirt. Au final, je préfère dépenser beaucoup moins. Je fais du shopping 2-3 fois par an, je dévalise Zara. Et puis ensuite, ce que je fais aussi, c'est que je vais chez un tailleur directement pour pouvoir ajuster les pantalons, les t-shirts, les blazers, les chemises, etc. pour que ce soit parfaitement adapté à mon corps. Et je pense que c'est vraiment la meilleure manière de fonctionner pour pas trop se prendre la tête et être bien habillé en permanence. Une fois que je suis habillé, dernière étape de ma routine matinale, je vais faire 10 minutes de méditation. Donc je vais me poser tout simplement ici, prendre le yoga mat, je le pose juste ici, prends mes écouteurs, on met la réduction de bruit, comme ça il n'y a pas de bruit pour nous déranger, et j'enclenche l'application calme. Donc il y aura un petit bruit de fond, un peu de nature qui aide à se calmer, à déstresser. Et il y a une méditation guidée, donc une personne qui vous dit quoi faire, etc. Allez, c'est parti pour 10 minutes. L'application, écoutez la musique, elle est tellement relaxant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas le but de la méditation. Il faut vraiment le faire pour le comprendre, mais ça permet de mieux contrôler ses pensées, être moins émotionnel, améliorer sa capacité de concentration. Et pour les personnes qui ont des tendances à avoir de l'anxiété, à être dépressif, c'est vraiment un des trucs qui aide le plus à réguler son humeur. Personnellement, je le fais tous les matins et le dimanche, ça m'arrive de pas le faire. Et en général, quand je le fais pas, je me sens beaucoup plus stressé toute la journée. Donc c'est vraiment une des habitudes super importantes de ma routine. En général, pendant que je suis en train de faire ma méditation, et ma copine qui prépare mon petit déj, ce qui fait qu'il est prêt dès que j'ai terminé et je peux me poser à mon bureau pour manger et commencer à taffer. Pour le petit déj, je mange la même chose chaque matin, beaucoup de protéines parce que je vais à la salle et du coup il faut que j'ai 200 grammes de protéines par jour, donc j'ai 5 œufs, j'ai du pain, mais pas n'importe quel pain, c'est du pain protéiné, et puis j'ai un petit thé à l'hibiscus, je crois, vraiment pas mal. Du coup on dévore tout ça et ensuite on commence à taffer. Et chaque matin, un des meilleurs moments de la matinée, je peux choisir la montre que je porte. Je commence à avoir une collection assez sympa. J'ai acheté récemment 3 nouvelles montres, étant donné que le marché, c'est un peu reculé. Toute ma collection est là. Je suis passionné, je kiffe. C'est pour mon kiff, mais c'est aussi un investissement. Ça prend en valeur. Et puis, pas mal des montres, je les obtiens directement en boutique. Donc, je les achète et instantanément, elles valent le double. Donc, c'est même une manière de faire de l'argent au final, même si je ne revends pas mes montres et je ne compte jamais les revendre. Du coup, dans ma boîte, je les classe par ordre chronologique. Ma toute première montre, j'en parle jamais, mais c'était une montre Gucci. Je sais pas, j'ai pété un câble, j'étais en vacances à Paris et j'ai acheté ma première montre, elle m'a coûté 1000 euros. C'est une petite erreur de parcours parce qu'en tant que Suisse, acheter une montre Gucci, ça se fait pas vraiment, mais bon. J'ai adoré le cadran bleu et je trouve que le modèle est vraiment pas mal. Ensuite, la deuxième montre que j'ai achetée, c'était ma première vraie montre de marque. C'est la fameuse Rolex Datejust, qui est une montre classique, magnifique, avec le cadran blanc, le bracelet jubilé, et puis elle est tout tone, donc bicolore, avec de l'or jaune et puis de l'acier. J'ai ensuite fait une folie et une très très bonne affaire en achetant l'Audemars Piguet Royal Oak Frosted avec cadran bleu. On dit qu'elle est frosted parce qu'en fait c'est de l'or qui est martelé et qui va donc créer des petites aspérités qui font des reflets sur la montre et ça donne un style incroyable. C'est un petit peu plus flashy qu'une montre normale, mais c'est pas non plus too much, c'est pas plein de diamants, etc. Donc c'est pour ça que je l'adorais et que je l'ai acheté il y a quelques années. Et puis pendant 1-2 ans j'ai pas trop acheté de montre parce que les prix étaient abusés et j'arrivais pas encore à les obtenir en boutique, et c'est seulement l'année passée que du coup j'ai relancé et a commencé à agrandir la collection. Dans un premier temps, j'ai acheté l'Audemars Piguet Offshore avec le strap, le bracelet caoutchouc. C'est une montre plus sportive, un petit peu plus lourde, plus grosse, mais je l'aime beaucoup et ça me permet un peu de varier les styles. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai fait une petite folie. J'ai acheté 3 montres en l'espace d'une semaine, à commencer par la Daytona Oyster Flex, donc de nouveau bracelet caoutchouc, presque la même configuration. On a de l'or rose et puis un cadran chocolat. J'ai longtemps cherché pour l'avoir exactement dans cette configuration parce que c'est une de mes Daytona préféré. Ensuite, j'ai acheté cette Patek que j'adore, elle est incroyable. Ça faisait des années que j'avais envie de la voir, mais les prix avaient explosé. Elle coûtait plus de 350 000 dollars il y a un an, et du coup, j'ai attendu et j'ai eu raison parce que j'ai pu l'avoir pour seulement une fraction de ce prix-là. Et puis, Audemars Piguet m'a surpris en me permettant d'acheter une autre Audemars Piguet Royal Oak avec le bracelet caoutchouc à nouveau. Au début, je la trouvais sympa, mais sans plus. Et en fait, à force de la porter, c'est devenu, je pense, la montre que je porte le plus régulièrement parce qu'elle va très bien avec un petit t-shirt. On n'a pas besoin d'avoir une chemise ou quoi, et en plus de ça, elle est super confortable.
confortable. Et bien sûr, elle est dans ma configuration préférée. Je pense que vous l'avez compris, j'adore l'or rose avec le noir. Je trouve que ça rend super bien. Finalement, la dernière montre que j'ai obtenue, c'est un cadeau. C'est une petite blague de la part d'Oussama que j'ai reçue pendant le podcast sans permission. Et ça ajoute une petite touche fun à la collection. Il reste encore 2 places de libre dans la boîte. Je pense que je vais essayer de compléter tout ça avant la fin de l'année. Et bien sûr, je vous tiens au courant sur Instagram ou même peut-être sur YouTube. Voilà. On a pris énormément de retard à cause de la vidéo. Mais normalement, je finis ma routine, je me pose ici et c'est 9h. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais me mettre à travailler. 1 heure de routine matinale, ça peut paraître beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire et qui m'aide énormément. J'ai essayé des dizaines de routines matinales différentes et c'est vraiment celle-là qui me convient le mieux aujourd'hui. Il faut savoir que je suis passionné de productivité, que je gère 5 business en même temps, que j'ai plus de 50 employés et que donc je dois avoir une discipline irréprochable si je veux réussir à accomplir tout ce que j'ai envie de faire dans la journée. Du coup, c'est pour ça que ma routine est aussi compliquée. Mais je pense que d'avoir 1, 2, 3 habitudes qu'on fait tous les matins sans exception, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place dans votre vie et qui peut vous aider. J'ai fini ma routine. Du coup, je me pose à mon ordi. Première chose que je fais, c'est que j'ouvre 2 fenêtres comme ça sur mon écran. Je partage mon plan de travail en 2. Ça me permet d'être plus productif. Et puis ben là, pendant 4 heures, donc de 9h à 13h, je vais faire une session de deep work. Le deep work, c'est du travail sans interruption sur une seule tâche prioritaire. Et c'est vraiment la clé de la productivité. C'est le truc le plus important qui permet vraiment de passer au niveau supérieur. C'est être capable de travailler sans aucune distraction. Donc j'ai aucune notification sur mon téléphone. Bien sûr, pas de notification sonore, mais aussi pas de notification qui viennent voilà, en haut de l'écran, là, comme ça. Donc la seule manière pour moi, par exemple, de voir que j'ai reçu un message sur WhatsApp, c'est d'aller volontairement sur WhatsApp. En plus de ça, j'utilise l'option temps d'écran sur mon téléphone et ça va bloquer toutes les applications. Donc là, par exemple, Netflix, je peux pas accéder, je peux pas jouer aux échecs. Là, normalement, j'ai aussi Instagram, mais je l'ai débloqué avant parce que je devais aller répondre à un DM, sinon tout le reste, TikTok, Facebook, etc., c'est bloqué. Et c'est pas moi qui ai le code c'est seulement mon frère qui l'a et je dois aller lui demander et il doit vraiment vérifier que c'est un vrai besoin, sinon je peux pas utiliser mon téléphone. Même chose sur mon ordi, là, si par exemple je vais sur Twitter, là j'ai une application qui remplace toute ma feed par juste une citation de motivation. Et donc ça va vraiment me forcer toutes ces choses-là à travailler et uniquement travailler pendant les 4 premières heures de la journée. Now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim a lot of sticks like a laser tag. Fuck a rich bitch, having rich set. Smoke a lot of trees, need a weed plant. I did take all in where to lean at. Je viens de terminer ma première session de travail de 4 heures et là je sais que peu importe ce qui va se passer pendant la suite de la journée, j'ai déjà accompli les choses les plus importantes. Ça peut paraître peu 4 heures, mais en réalité, si vous travaillez 4 heures en étant 100% focus et efficace sur la chose la plus importante pour avancer vers vos objectifs, et bien vous êtes déjà plus productif que 90% de la population. Du coup, moi je me force vraiment à être productif toute la matinée, à être à 200%, et après l'après-midi, si je suis un petit peu plus fatigué, et ben c'est pas trop grave parce que je sais que j'ai déjà fait le plus important. Là normalement je devais aussi travailler derrière mon ordi toute l'après-midi, mais je me suis dit que ça allait être un petit peu répétitif pour vous. Du coup j'ai réussi à déplacer certaines visites d'appartements que j'étais censé faire ce week-end, et donc on va aller ensemble cet après-midi visiter des penthouses et une villa parce que je suis en train de regarder pour m'acheter un nouvel appartement. En effet, depuis plusieurs années je loue, ça m'apporte beaucoup de flexibilité. J'ai eu la chance de pouvoir être à Londres, à Paris, à Dubaï, d'avoir plein d'appartements différents, d'essayer différentes villes, différents modes de vie. Mais là, je commence vraiment à avoir envie d'avoir un vrai chez moi, de pouvoir faire des travaux, péter des murs et vraiment créer mon petit chez moi, un endroit parfait pour moi. Et du coup, je vais probablement acheter quelque chose ici à Dubaï parce que c'est vraiment ma ville préférée pour travailler. Il y a tout qui est moderne, la sécurité, il y a tout qui s'améliore d'année en année. Et je pense même que c'est un très bon investissement vu la trajectoire sur laquelle est cette ville. Du coup, on va manger et on enchaîne avec la suite du programme. Yo, tengo Calderón, Don Omar, los bandoleros. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. On se retrouve au parking directement, on a pris l'ascenseur, on est descendu au sous-sol et il faut qu'on se dépêche parce qu'on est un petit peu en retard pour les différentes visites qu'on a organisées cet après-midi. Du coup, on va aller en voiture. Les amis, la magnifique voiture de mon frère qui nous accompagne et va nous conduire dans un premier temps dans l'une des plus belles tours de downtown à Dubaï. Allez, venez avec moi. All right. I know they are bad, stop acting innocent. We ain't got generational wealth, it's only a year that I've had these millions.
My whip could have been in a Tokyo Drift, car is fast and furious. I went from the Toyota Yaris to Urus, they had their chance but blew it. Donc là on est au 118, c'est une des résidences les plus exclusives de Dubaï. Un appartement où il n'y a que des penthouses, donc c'est à chaque fois l'étage complet. Je suis déjà venu visiter un appartement à l'intérieur, là on va voir un autre, un étage encore supérieur. Et c'est vraiment une résidence que j'affectionne tout particulièrement. L'entrée est magnifique, c'est assez récent, donc il y a tout qui est moderne, j'adore le design. Allez, suivez-moi, on va visiter tout ça. Fuck it, I'm rich, let's do it. Take a look at these diamonds, wrong as a life is squinting, can't just stare. We're bay through thick and thin, she already fixed so I'm halfway there. Brown and bad. Could have changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 gal in a sprinter. 100 eaters, it won't fit in one SUV. SOS, somebody rescue me, I got too many, and I got. Alright. Bah là franchement c'est un de mes appartements préférés, il est incroyable, il y a des plafonds super hauts, c'est super grand. Donc là il n'y a pas les meubles, donc on peut meubler comme on veut. Le locataire vient de partir et ils sont en train de tout rénover. Mais il y a déjà une offre sur cet appartement, donc il faut que je me décide rapidement si j'ai envie de le prendre. Après il y a d'autres appartements disponibles à un étage en dessus ou un étage en dessous. Ce qui est dingue avec cette résidence, c'est que c'est une penthouse par étage, on n'a pas de voisins. Il y a 4 chambres, chacune avec 2 plafonds, la cuisine, un énorme salon. Il y a une chambre de maid et il y a aussi une chambre pour chauffeur qui est directement au niveau du parking. Donc c'est super pratique si on a du personnel. Et il y a un énorme balcon, piscine, salle de sport, piste de course, une réception avec du personnel, etc, etc. C'est vraiment le luxe. Et apparemment certains des voisins sont des personnes très fortunées. Typiquement il y aurait CZ, le patron de Binance, qui a un duplex, donc vraiment le meilleur appartement de la tour, tout en haut. Et il y a aussi de nombreux propriétaires de chaînes de restaurants, etc. On vient de finir la première visite. Là, on est en train de se rendre vers une autre tour. De nouveau à Downtown, un magnifique appartement. On ne pourra pas filmer l'intérieur. Malheureusement, c'est toujours un petit peu difficile avec la caméra, etc. Mais on se retrouve juste après pour aller visiter une villa cette fois, qui est super bien placée à 10 minutes du centre-ville et avec une magnifique vue. Donc là on est directement sur le site de construction de la villa, elle est juste ici, donc il y a vraiment juste les bases qui ont été posées. Et là ici il y a la villa voisine qui est un petit peu plus avancée, elle sera finie en décembre. Mais je pense que ça peut être une opération très intéressante parce qu'elle a un très bon prix, elle est bien placée, il y a la vue sur le golfe. C'est super important pour moi d'avoir une belle vue. 6 chambres, plus de 10 000 pieds carrés, ça fait plus de 1000 mètres carrés. Et on est super bien placé parce qu'on est à 15 minutes à peine du centre de Dubaï. Ok, là je transpire, il commence à faire vraiment chaud à Dubaï. Je reste encore 3 semaines et ensuite direction l'Europe parce que l'été à Dubaï c'est un enfer. Mais pour l'automne, le printemps, l'hiver, c'est le meilleur endroit au monde pour travailler, networker, être productif. C'est une ville incroyable et on a énormément de préjugés dessus en Europe alors que c'est que des conneries. Genre, il y a énormément de liberté ici, il y a tout qui fonctionne, il y a tout qui est propre. Il y a énormément de personnes intéressantes, c'est pas que des influenceurs avec des lambeaux, loin de là. Et je pense que c'est vraiment la ville du futur parce qu'elle est sur une trajectoire comme ça alors qu'en Europe on est plutôt comme ça. On a fini les visites pour aujourd'hui, je rentre à la maison et je vais enchaîner direct avec un appel. En général, en fin de journée, aux alentours de 17h, 18h, c'est à ce moment-là que je mets tous mes appels parce que j'ai déjà fini tout mon travail important que je fais derrière mon ordinateur et il me reste encore un peu d'énergie pour pouvoir échanger avec des collaborateurs, des partenaires ou même des coachs, des personnes qui vont m'aider à m'améliorer dans mes business, dans ma vie personnelle. Là, en l'occurrence, je vais parler à un diététicien. On va mettre en point un régime de A à Z afin de pouvoir optimiser mon alimentation pour mes entraînements à la muscu, mais aussi pouvoir être focus. Il y a plein de gens qui ne le savent pas, mais en fait, on a plein de micro-intolérances à différentes nourritures et si on fait pas attention, on est plus fatigué, on réfléchit moins bien et du coup c'est pour ça que je prends ça extrêmement au sérieux et que j'ai rendez-vous avec un des meilleurs diététiciens francophones juste après. Allez, on se retrouve directement chez moi. Je viens de finir mon appel et là du coup j'ai un petit programme nutritionnel qu'on va tester pendant les prochaines semaines. On va voir si je me sens mieux et si mes performances à la salle s'améliorent. Je viens de me prendre une petite bouteille, j'essaie de boire 3 bouteilles comme ça par jour. Ça c'est de l'eau plate mais normalement j'ai de l'eau pétillante. C'est tout con, j'ai commencé à en boire il y a 2 mois parce que mon frère s'est trompé. Il a commandé de l'eau gazeuse à la place de l'eau plate et vraiment c'est quelque chose que je recommande. Au début c'est bizarre mais à force on s'habitue et c'est meilleur que de l'eau. Et du coup c'est plus facile de boire beaucoup, en tout cas pour moi. Du coup j'essaie de rester hydraté au maximum toute la journée, super important, et puis
Les bouteilles en verre, c'est puissant et c'est surtout un énorme kiff. Là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à la salle. En général vers 18h par là, je finis ma journée de travail. Donc j'ai deux blocs de 4h, 4h le matin et 4h l'après-midi. Aujourd'hui c'était un petit peu différent, on est allé visiter des apparts, mais d'habitude je suis calé derrière mon ordinateur. Ma vie en soi est assez répétitive, je suis pas en train d'aller dans des meetings, etc. Je fais tout depuis mon ordi, depuis ma chambre. Et c'est comme ça que je gère le plus efficacement tous mes business, étant donné que c'est des business en ligne. Du coup je bois encore quelques gorgées. Je me change et on va à la salle. Ok, alors là on est à la salle du muscu de la tour qui est au 30e étage. J'ai juste à prendre l'ascenseur en 30 secondes, je suis ici. Il y a pas mal de machines, il y a vraiment de quoi s'entraîner, mais personnellement j'aime bien vraiment aller dans une grosse salle de sport. Et du coup j'ai la chance aussi d'en avoir une juste à côté de ma tour. Du coup j'utilise cet endroit plutôt des fois pour aller courir. Quand il fait trop chaud dehors, je cours sur les tapis qui sont juste ici. Ou quand j'ai juste envie de faire une mini séance de 15-30 minutes, je viens ici et j'utilise les machines. Mais là aujourd'hui on va faire une vraie séance. Suivez-moi, on va à la grosse salle de sport juste à côté de la tour. Ok, donc là on est juste en bas de la tour et ce qui est incroyable ici c'est que on est super super bien placé. En fait juste en face de moi il y a un mall où il va y avoir des restaurants, des magasins, un supermarché et aussi une salle de sport. Et puis on a juste à sortir de l'ascenseur, on marche, on tourne, on passe dans cette magnifique place avec de l'eau, des fontaines, etc. Et puis on est directement dans un des malls les plus modernes de Dubaï. Là du coup on monte les escaliers, on ressort du mall et on est devant la même tour. Donc il y a vraiment tout qui est au même endroit. Et en fait ma petite routine en sortant de la salle de sport, c'est d'aller me balader pendant 30 minutes sans musique. Je mets mon téléphone en mode avion et je l'utilise uniquement pour noter les choses auxquelles je pense. Prendre des notes c'est vraiment une habitude que je recommande à 2000%. Quand on le fait en fait on se rend compte à quel point notre cerveau c'est une passoire et toutes les choses qu'on oublie. Et c'est souvent pendant ces marches que j'ai mes meilleures idées business. Franchement j'ai eu des idées comme le fait d'organiser un concours sur Instagram, lancer ma stratégie TikTok l'année passée qui m'a aussi fait exploser sur ce réseau. À chaque fois c'est parce que je prends le temps de déconnecter, de pas être sur les réseaux sociaux, d'avoir rien à faire, et c'est là que les idées vont venir. Je note directement dans Asana, donc le même logiciel que je vous ai montré ce matin, et en fait tous les samedis je vais aller repasser sur toutes les idées que j'ai eues, je vais les classer, les développer, les mettre en place s'il y a besoin, les mettre aux oubliettes si elles sont mauvaises. J'ai en fait tout un petit système pour classer mes notes et les utiliser de la meilleure manière, et c'est un des trucs que j'ai justement optimisé cette année et ça m'a beaucoup servi. Ça c'est un autre truc qui est dingue à Dubaï, c'est là il y a cette petite promenade, il y a de la verdure, c'est propre, il n'y a pas un chewing-gum par terre, pas un mégot de cigarette, il y a même des sécus qui passent, d'ailleurs ils nous ont fait chier ce matin parce qu'ils voulaient pas qu'on filme, donc on sent sécurité, on se sent bien, et puis faire ce genre de petite balade dans un endroit calme comme ça, ça aide aussi à s'apaiser, à être relax. J'en profite aussi pour noter tous les trucs que j'ai en tête qui tournent toute la journée dans mon cerveau, comme ça je sais que c'est noté, j'ai plus besoin d'y penser, et c'est quelque chose qui me calme énormément. Il y a quelques mois quand j'ai une période difficile, que j'avais pas mal d'anxiété, ce genre de marche ça me faisait revivre, et c'est juste parfait de pouvoir le faire à peine une minute de mon appartement. Du coup on finit la marche et on rentre à la maison. Camille, pourquoi t'as envie de sortir de ta chambre là? Tu veux aller au salon? Donc le mec c'est 19h, il est en train de dormir sur son lit. Non. Regarde, la lumière, est-ce qu'elle est allumée ou pas dans sa chambre? Non. Hein, comme par hasard il vient de l'allumer. Regardez ses yeux. C'est les yeux de quelqu'un qui vient de faire une sieste. Une petite sieste, c'est bon. Pourquoi tu fais une sieste à 19h, mec? Tu travailles beaucoup ici, donc... C'est ça, t'as trop travaillé? Ok. Là, on va voir un petit truc dans la chambre de Canou. Qu'est-ce que c'est, ça? Hein? C'est quoi, Canou? Qu'est-ce que c'est, ça? Des putains de bouteilles d'eau! Oh, Canou! Tiens, bois de l'eau, mec, c'est important. J'ai trop bu d'eau aujourd'hui, déjà. Pour ceux qui connaissent la ref, envoyez tous un emoji bouteille d'eau à mon frère sur Instagram, il en ressent pas assez. Il est connu internationalement. Filme sa petite tête, internationalement connu. Il boit tellement d'eau qu'il doit faire des siestes à 19h, le mec. Oh, 19h, c'est l'heure parfaite pour faire une petite sieste. Avant de retourner au travail et finir à 4h du matin. C'est ça, je travaille la nuit, genre. Exact, ok.
Je viens de me doucher et de me changer. Et la dernière grosse partie importante de notre journée de travail, ça va être de faire mon rituel du soir. Donc première chose, je vais finir de remplir le fameux fichier que je vous ai montré ce matin avec toutes mes habitudes. Donc là voilà, on a fait deux périodes de 4 heures de travail, on est allé à la salle. Là le learning, c'est ce qu'on va faire juste après en fait. Tous les jours, j'essaie d'apprendre quelque chose. Ces derniers temps, je me suis beaucoup renseigné sur l'intelligence artificielle et je pense que c'est ce que je vais continuer à faire ce soir. En fait, tout simplement, soit je prends des formations, soit je lis un livre, soit même des vidéos YouTube et je vais de nouveau splitter ma fenêtre en deux comme ça. Je vais ouvrir Dynalist. J'ai un onglet Learning ici en bas dans Dynalist qui est un logiciel qui permet de prendre des notes voilà sous forme de liste comme ça et après on peut les fermer, les ouvrir. Je surkiffe. Et en fait, je vais regarder ma vidéo YouTube ou ma formation et au fur et à mesure que la vidéo avance, je vais pas tout simplement la regarder et tout oublier comme font la plupart des gens. Non, je vais prendre des notes sous cette forme de liste et ça me permet de beaucoup mieux retenir et aussi ben après je peux tout simplement aller rechercher dans Dynalist toutes mes notes et il y a tout qui est super bien organisé, je me souviens de tout et c'est souvent ce que j'utilise après derrière pour améliorer mes formations, pour faire des vidéos YouTube ou même c'est des points que je vais reprendre dans mes podcasts etc. Et c'est comme ça que j'arrive à trouver les meilleures informations, les mettre ensemble, obtenir de nouvelles idées, les partager ou les implémenter dans ma vie personnelle. Je continue de remplir mon fichier des habitudes, donc là j'ai une colonne pour le tracking, je suis en train de le faire, 30 minutes de marche, on l'a fait ensemble, le téléphone il est bloqué via la fonction temps d'écran jusqu'à 17h, hein, donc ça on en a pas parlé, mais juste avant d'aller au fit en général c'est la première fois que j'ai accès à Instagram, à TikTok, à YouTube, etc. Et c'est à ce moment-là que je vais vraiment checker mes notifications. Ensuite, ben, je dois bien prendre 6 repas dans la journée parce que je suis en prise de masse. Là, aujourd'hui, c'est un gros fail avec les visites d'appartement, la vidéo, j'ai pas du tout le temps. Sinon, on a du nofap. Nofap, aujourd'hui, c'est good, pas d'alcool et puis pas de cigarettes. Finalement, super important, je vais aussi planifier ma journée du lendemain. Je vais notamment choisir les 3 priorités, les 3 choses les plus importantes que je dois absolument faire demain si je veux réussir ma journée. Je vais en général regarder Asana, là où j'ai toutes mes listes, toutes mes idées et ben, je vais sélectionner les choses que je vais mettre en place. Du coup, aujourd'hui, on a un programme un petit peu différent. Normalement, je vais manger à ce moment-là. Quand j'ai fini de manger, justement, je fais cette séance où j'apprends quelque chose, je lis un livre ou je regarde des vidéos de formation sur YouTube, etc. Mais aujourd'hui, on va au restaurant juste après. Du coup, je vais faire ma période d'apprentissage, de learning maintenant. Et aujourd'hui, je vais regarder 2-3 podcasts, 2-3 interviews d'experts en IA, vu que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, que je vais peut-être lancer un logiciel, un SaaS qui s'appuie là-dessus. Et puis, quand j'ai fini tout ça, on se rendra tous ensemble au restaurant. Je participe à ta vidéo là-dedans. Alors, Théodore ici présent, voilà, elle était faire une hydrofaciale. Hydrofaciale. Oh, là, ça fait pas le, ça fait pas le montage. Théo, ils t'ont déjà vu habillé en meuf à Mykonos en train de marcher dans la chambre. Ils savent déjà qu'il est gay. Ouais, non, mais t'as la peau douce en plus. Là, j'ai un bon cul comme ça. Donc là, on est en direction du resto, de nouveau sur la même petite promenade et le resto est à 5 minutes de chez nous. On est super bien placé, je sais que je le dis pour la 10e fois, mais ce qui est vraiment stylé, c'est qu'on est juste à côté de DIFC et Gate Village. En fait, c'est l'endroit à Dubaï où il y a tous les meilleurs restaurants, Zuma, Amazonico, La Petite Maison, Atelier Rebuchon, etc. etc. Et du coup, ben voilà, 2-3 fois par semaine, on va manger tous ensemble dans un de ces restaurants. Là, on va à la Nina, c'est un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir et qui a été créé par le même groupe qui fait Opa. L'endroit où on casse les assiettes, je sais pas si vous connaissez. Et en plus de ça, je connais bien le personnel là-bas, donc on est super bien reçu. Et je sais qu'on va pouvoir filmer, c'est pour ça que j'ai réservé là-bas directement. Allez, on se retrouve au restaurant. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through it. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Putain, il est bon ce négro. Ni le cocktail. Hein. Just the two of us. We can make it if we try. C'est qui, là, ouais, c'est vrai, c'est qui hein. On entend tout le temps parler. Putain, le mec, il doit avoir beaucoup d'habits. Il récupère les habits de tout le monde, quoi. Ah ouais, toi, en fait, t'es pas à l'aise devant la caméra non plus. Hein. Ah non, c'est devant ta blague que je suis pas à l'aise. Thank you.
coup, petit moment story time. Le caméraman vient de me demander comment est-ce que j'ai appris à fumer cigare. Et c'est vrai que l'histoire, elle est assez marrante. J'ai vraiment appris à fumer cigare pour la première fois. C'était dans un salon de cigare, dans un magnifique bâtiment à Genève, à l'intérieur de l'UBS. L'UBS, c'est la plus grande banque suisse. Et je commençais à avoir mes business qui fonctionnaient. J'avais de plus en plus d'argent sur mon compte. Et j'ai découvert la sphère de la banque privée. Donc, j'ai pour la première fois un banquier qui a vraiment pris contact avec moi, un banquier haut placé. Et il m'a invité manger dans une salle en intérieur. C'était même deux banquiers différents. On a mangé, on a parlé, on faisait notre rendez-vous en mangeant dans une salle privée avec de la nourriture gastronomique et tout ça, c'est vraiment à l'intérieur de la banque. Je savais même pas que ça existait, mais c'est énorme. Et puis, ben, on commence à boire du vin pendant notre dîner. Un verre, deux verres, trois verres, quatre verres. On commence à être un petit peu éméché. Et là, le banquier me fait: attends, Yomi, faut que tu viennes dans notre salon à cigares. On va au salon à cigares, on se pose. Je me rappelle très bien, je commence à être bourré à ce moment-là et je me dis qu'il faut que je fasse attention avec les boissons. Et du coup, là, il y a un expert en cigares qui vient, qui nous présente les différents cigares, qui nous dit quel cigare va plus, dans quelle situation, il m'explique comment le fumer, comment l'allumer, la vitesse à laquelle faut le fumer. Et ça m'a vraiment marqué parce que le mec était passionné par le truc et que l'environnement dans lequel j'ai fumé cigare était incroyable. C'est la première fois que j'ai vraiment commencé à apprécier le cigare parce que auparavant je prenais des cigares mais je savais absolument pas comment les fumer. Et j'ai notamment appris à ce moment-là que les meilleures manières de fumer cigare, c'est avec un verre de rhum, un seul petit glaçon à l'intérieur, et l'alcool en fait va dilater les papilles et ça va permettre à la fumée de mieux rentrer. On va plus apprécier le goût. Là en ce moment je bois pas d'alcool, j'ai qu'un mocktail, mais c'est vrai qu'un bon cigare avec un verre de Diplomatico, il n'y a rien de mieux. Tranquille, tranquille. Ah, une bonne journée. Ouais, tranquille. Ouais, la petite, elle est à la garderie là, je vais m'amener. Ouais. Je viens de m'acheter une nouvelle Toyota là. Ah, Toyota, la Yaris. Ouais, là, super. Ah, ouais, j'avais vu sur Turbo là dimanche passé. Ah, trop sympa. Ouais, ouais. Voilà, je suis désolé, j'ai un cours d'aïkido là pour les enfants. Cours... Ah, putain. Allez, avec, allez, ouais. Passe le bonjour à Sandy, ouais, de ma part. Hein. On a fait beaucoup de sport là, on est descendu trois escaliers. Ça, tu supprimes tout ça, hein, bien entendu. Du coup, on est de retour à la maison, dernière étape, je fais ma routine du soir, je prends des compléments alimentaires, je mets de la crème, je me brosse les dents et puis je fais en sorte d'être au lit avant 23h pour avoir au minimum 8 heures de sommeil. En effet, c'est vraiment la chose la plus importante pour être... productif et puis pour pouvoir défoncer la journée du lendemain. Dans tous les cas, j'espère... Du coup, je reprends là la moitié de mes compléments alimentaires et puis je mets de la crème aussi, brosse les dents, on va au lit et c'est reparti pour une journée le lendemain. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve sur la chaîne, c'était Yomi. Allez, ciao. Bébé, on se regarde un film? Oui, bébé. Mais avant, tu veux pas faire autre chose? Baby, don't hurt me.